En vrai, cette semaine, j'ai absolument rien de prévu. Welcome back to her YouTube channel. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On commence le vlog aujourd'hui, c'est dimanche. Et en vrai, cette semaine, j'ai absolument rien de prévu. Mais ça fait longtemps que j'ai pas vlogué. Et honnêtement, ça me manque. Parce que je trouve que les vlogs, ils sont vraiment intéressants. Après cette semaine, j'ai absolument rien de prévu. Mais comme il commence vraiment à faire chaud en ce moment, il fait super beau à Montréal presque tous les jours. C'est la période parfaite pour faire des vlogs qui sont intéressants. Parce que je vais forcément trouver des choses à faire en fait. Du coup, là, on va commencer par ranger. Parce que c'est n'importe quoi. Ma chambre, tout mon appart en fait. C'est vraiment le désordre en ce moment. Je vais ranger d'abord. It's not my fault. You've been lying, saying that I took away your peace. Drowning by yourself, now you wanna blame me. Aujourd'hui, on est mardi. Là, je me prépare parce que je dois sortir. Hier, j'ai pas trop vlogué parce que j'avais des choses importantes à faire. Et à part la partie où je suis allée à Urban Planet, j'ai essayé de vous montrer un petit peu. Je voulais voir leur collection pour l'été. J'ai vu des trucs quand même vraiment pas mal. Moi, ce que j'ai acheté hier, j'ai eu 3 robes, 4 shorts, 6 hauts, quelque chose comme ça, pour 100 et quelques dollars. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment un très bon prix. Je vais me préparer rapidement avant d'être encore plus en retard. Je termine mon maquillage, après je reviens pour vous montrer ma tenue, ma coiffure et tout. L'événement devait terminer à 19h, mais à 19h, il y a toujours des gens qui étaient là-bas. Et moi, j'avais envie de rentrer pour enlever tout ça là, parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Je vais vous montrer ce qu'on va donner comme cadeau, parce que presque tous les événements où on me donne des cadeaux habituellement, et c'est trop bien, je suis trop contente, j'aime trop. J'ai un shampoing et un démêlant de Pantene. Ils sont à la biotine et au collagène. Ça, c'est un revitalisant réparateur en profondeur. J'ai reçu aussi un gel douche de la marque Olay et je suis trop contente parce que Olay, c'est mon truc. Vous savez déjà, dans mes dernières vidéos que je vous ai postées là, j'ai parlé de Olay plusieurs fois parce que j'aime trop, j'adore. Ensuite, de chez Head & Shoulders, j'ai 2 shampoings comme ça. Et de chez Herbal Essence, j'ai 2 shampoings comme ça et un démêlant revitalisant. Ça aussi, c'est un autre démêlant de Herbal Essence. Je pense que je vais juste garder le gel douche, le sérum de Olay et cette gamme
de Pantene à la biotine et au collagène. Et pour le reste, je vais envoyer ça à mes sœurs. Comme j'ai trois sœurs là, chacune va avoir une gamme shampoing démêlant. Et je pense qu'elles vont aimer parce que moi, je suis pas très produit pour les cheveux, mais mes sœurs, elles vont aimer ça. Donc voilà, c'était le petit unboxing de ce que j'ai reçu. Sinon, débriefing par rapport à l'événement. Il n'y a pas énormément de choses à dire parce que c'est un événement qui a commencé à 17h. On s'est amené à 19h. Moi, je suis arrivée à 18h. Il n'y avait pas énormément de choses. Tous les événements où je suis partie avant, c'était des événements où il y avait quelque chose. On faisait des genres d'activités. Mais là, c'était plus un événement genre networking. Et ils voulaient nous faire découvrir aussi les nouveaux produits qu'ils ont sortis dans les différentes marques là. Du coup, il y avait juste des filles qui étaient là-bas qui nous parlaient un petit peu de des produits, de ce que ça fait, des marques et tout. Donc ça, c'était bien. Il y avait aussi un bar où ils servaient des boissons qui étaient hyper bonnes. On a mangé vite fait des amuse-bouche aussi. Il y avait aussi un stand où tu pouvais te faire un bracelet personnalisé. Mais ça, je ne l'ai pas fait parce qu'il y avait une queue. J'ai trouvé mes copines aussi là-bas. Du coup, j'étais super contente parce que j'avais peur de me retrouver toute seule à l'événement. Habituellement, les events où je pars, c'est les agences qui gèrent ça en fait. C'est les agences qui te trouvent une invitation. Et dans les autres events où j'allais avant, comme il y a des filles avec qui j'étais dans la même agence, on se retrouvait toutes ensemble. Mais là, comme j'ai changé d'agence, mon agent peut me trouver des invitations ou genre, je vais pas trouver les autres filles. Donc ça me fait un peu peur de me retrouver toute seule à un événement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense pas que je vais vlogger plus que ça parce que je suis hyper fatiguée. Et demain, on va se retrouver quand même assez tôt pour que je cherche mes tenues et tout pour les deux événements. Et bien sûr, je vais vous montrer tout ça. Aujourd'hui, on est mercredi et j'ai deux événements. Le premier, c'est un événement de Ferrari avec Peroni. Peroni, je pense qu'ils font de l'alcool, je sais pas. En ce moment, c'est la saison des courses de Formule 1 à Montréal. Du coup, il y a plein d'événements en rapport avec ça. Je suis déjà un peu en retard, du coup il faut que je me prépare vite vite vite. Je vais pas pouvoir filmer genre le processus de mon maquillage, mais je vais vous montrer après à la fin quand je termine. Là je sais même pas ce que je vais mettre d'ailleurs, il faut que je regarde ça aussi. Et ouais voilà, je vous reviens quand je termine de faire mon maquillage. You can get a bigger Chanel back in the store if you want it. I gave them the drill, they set it up, I got them on it. I bought a new bed, I got headed white, so I two-toned them. Taking the drawers, I'm gonna be up until the morning. That ain't your car, you just a Lisa, you don't own it. If I'm in the club, I got that five on the performing. The back end just came in and out runners. Five's the little cute shit, they all owners. I'm from Atlanta where young niggas run shit. I know they hating on me, but I don't need comments. Whenever I tell her to come, she coming. Whenever it smoke, we ain't rhyming. Drip too hard, don't stand too close. You gon' fuck around and drown off this way. Doing all these shows, I've been on the road. I don't care where I go, long as I get paid. Bad little fire, she been on my mind. Soon as I get back, she can slay. Do this all the time, this ain't no surprise. Every other night, another movie get made. Drip too hard, don't stand too close. You gon' fuck around and drown off this way. Doing all these shows, I've been on the road. I don't care where I go. Say hi to my vlog. Okay, let's see. 1 second. Now she's ready. I have to be ready. Say hi. Hi. You're working. Never see another dollar getting made. Every other night, started with a good day. I feel like a child, I got boogers in the face. I'm a dancing in the dollar, this shit is a parade. I don't want your triangle, go on and out of slay. I had a daughter, not too many bitches getting saved. See, that's how it was me, so I took a private plane. He puts a nigga like a while I'm working on my aim. Drip too hard, charge to the car. It's down to the ground like a better spelling name. Drip too hard, crushing on the floor. You gon' fuck around and drown, try and ride a nigga away. Drip too hard, don't stand too close. You gon' fuck around and drown, off this way. Doing all these shows, I've been on the road. I don't care where I go, as long as I get. Bad little fire, she been on my mind. Soon as I get back, she can slay. Do this all the time, this ain't no surprise. Every other night, another movie get made. Drip too hard, don't stand too close. You gon' fuck around the ground, off this way. Doing all these shows, I been on the road. I don't care where I go, long as I get paid. Bad little fire, she been on my mind. Soon as I get back, she can slay. Do this all the time, this ain't no surprise. Every other night, another movie get made. Yeah, look at me dead in my eyes. I know that you know that a nigga ain't lying. Too
much respect. All of my shorty BDs, they know not to try. Too much respect. I used to hand out CDs before they would buy. Whoa, she love me so much, it seem like she buys. Niggas don't know how I live, but that's cause they live and die. Hey. Well, steps, he ain't stepping on shit till it's pie. He brought me the money, sealed up. I still had to count it, I cannot just hide. Whoa, whoa, whoa. Yeah, let's have sex in the bank. Tell her to open a safe. I hate a privileged rapper who don't even know what it takes. The diamonds, they hit like a rainbow. That's cause the necklace of Frank. Her. Whoa, whoa, whoa. Yeah, let's have sex in the nines. Do it. Breaking and bending a spine. Do it, let's do it. I hate a privileged rapper that ain't had a hit since he signed. Do it. Niggas be full of excuses, act like they taking their time. Whoa, whoa, whoa. Look at me dead in my eyes, you see all the times that I had to go slide. Too many sticks, you go to war with whoever ain't never been by. Hold up, hold up, hold up, come on. Why you pull up at 1 in the morning and sit on the edge of the bed? What? Texting emojis, tweeting out airplane, busting went over her head. Catching my side of the studios, make him repeat what he said. En gros, on a terminé l'événement là. Au lieu de rentrer chez nous, elle nous a dit c'est elle, c'est pas moi. C'est lui. Vous avez la ref ou pas? C'est elle. Elle nous a dit je vais à une galerie d'art, est-ce que vous voulez venir? I was like, ok, let's go. À part ça, Janine, ils vont penser que tu parles d'un fantôme parce que tu dis c'est lui. Yo, it's summer. Mais vous êtes plus forte que moi. Moi, je vous jure, les chaussures là, c'est ma paire la moins confortable. I don't even know why I wear this shit. Je sais même pas en fait. J'ai même pas réfléchi. On nous a dit venez à la galerie, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on est là. Je trouve que c'est une perte de temps. Mais on est là. Mais c'est cute au moins. C'est cute. Ça, it looks good. C'est cute, je comprends rien, mais c'est cute. Non, le fait que ici les couleurs soient plus mauves en bas, là, ça montre quelque chose. C'est ça, ouais, exactement, les émotions. C'est très émotionnel. Très. Ici, je vois la savane. Là, je suis rentrée, il est tout juste minuit. Hier, je vous ai pas fait un récap quand je suis rentrée parce que j'étais fatiguée. On a fait un événement à partir de 17h jusqu'à 19h. Ensuite, un deuxième événement de 19h30 jusqu'à 22h. Donc, j'étais KO quand je suis rentrée. J'avais vraiment pas le temps ni l'envie d'ailleurs. Je vous cache pas, je vais vous faire un récap. Mais hier, le premier événement, l'événement de Ferrari, it was cute. Real cute, but it wasn't that good. Déjà, on n'a pas bien mangé. C'était un événement de Ferrari et Peroni. C'est une marque de bière. Du coup, il n'y avait que de la bière à boire. J'ai pas bu, j'ai juste bu de l'eau. Il n'y avait pas à manger. La musique était bonne, mais c'était... It was about it. En plus, l'endroit était vraiment petit. Du coup, c'était pas genre le meilleur événement, honnêtement. Mais le deuxième, c'était à Holt Renfrew. Et c'était en collaboration avec McLaren. Déjà, vous avez vu, ils avaient genre mis les voitures là devant. Et les gens pouvaient regarder et prendre des photos avec. J'ai pas pris des photos avec, juste fait des vidéos vite fait. Et après, on est allé en haut pour l'événement. Mais je vous jure, c'était super bien. La musique était très bonne. Il y avait une artiste qui est venue chanter, mais je la connais pas. Sinon, il y avait à boire aussi. Il y avait à manger aussi apparemment, mais moi, j'ai pas mangé. Parce que... Bon, j'étais pas là quand on donnait à moi, je vous cache pas, j'étais en train de prendre des photos avec Aliona. Mais c'était un super bon événement, celui d'hier. Aujourd'hui, best event. Et en plus, là, je suis contente de pas avoir annulé. Parce que j'avais dit que j'allais pas y aller. Parce que 3 jours de suite, c'était trop pour moi. Là, mon corps est fatigué, j'ai mal à la tête, je suis KO. Mais heureusement que j'y suis allée parce que c'est vraiment l'un des meilleurs événements auxquels je suis allée. Ces derniers temps, ou même depuis que je suis à Montréal. La musique, c'était pas trop ça, c'était vraiment de la musique de blanc, mais je vous jure que la nourriture, j'ai tellement bien mangé, et j'ai reçu tellement de compliments sur ma robe. Franchement, I love this dress, it's beautiful, elle vient de Miss Circle. Je pense que je vais vous mettre ça dans la description, parce que c'est sûr que vous allez me demander d'où elle vient aussi, parce qu'on m'a demandé aujourd'hui plusieurs fois d'où elle venait. Après ça, on a quitté l'événement, on est allé dans une galerie d'art. À la base, c'était pas prévu, c'est juste Janine qui était avec un de ses amis.
qui nous a proposé d'y aller. On y est allé, il y avait un événement qui devait finir à 1h, mais comme il pleuvait, ils ont fini ça plus tôt. Donc on est arrivé, c'était déjà terminé. Mais on a discuté avec la propriétaire et it was really nice, franchement. J'ai passé une super super bonne soirée. En ce moment, je suis toujours un petit peu excitée là. Et on est en train de chercher d'autres événements qui vont se passer ce week-end. Normalement, demain, je devrais avoir un dîner. C'est ce que mon agent m'a dit, mais je ne sais pas si c'est confirmé ou pas. Donc, dans tous les cas, vous verrez. Si vous me revoyez, c'est qu'il y a quelque chose d'autre de prévu. Sinon, vous saurez qu'il n'y a rien d'autre de prévu. Là, je vais me déshabiller, me démaquiller et tout. Et je vais aller dormir. I'll see you guys tomorrow. Aujourd'hui, c'est samedi. Hier, j'ai rien fait. Je me suis reposée. C'est pour ça que vous ne m'avez pas vue. Et aujourd'hui, j'ai pas d'événement. Enfin, pas encore, parce qu'on ne sait jamais. Mes plans peuvent changer à tout moment. Mais là, il est bientôt 14h et je dois aller faire mes cils et mes ongles. Parce que là, j'ai des press-on que j'avais coupés d'ailleurs, parce que c'était trop long. Et ouais. Là, j'ai fait mes cils et mes ongles. Ils sont vraiment simples, les ongles que j'ai fait cette fois. C'est vraiment une French simple, quoi. Il y a deux événements auxquels je voulais aller ce week-end. C'est les événements de la clôture de, justement, la semaine du Grand Prix. Et malheureusement, j'ai pas eu à avoir d'invitation, mais c'est pas grave. Next year, I'm gonna be there. Je manifeste ça, en fait. L'année prochaine, j'y serai. Du coup, on va terminer le vlog ici. Aujourd'hui et demain, j'ai rien à faire. Je pense que je vais juste me reposer ce week-end. J'espère que le vlog vous a plu. Et comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.